Bonsoir aux téléspectateurs de France 2 et bonjour ou bonsoir, c'est selon, aux téléspectateurs de TV5 et de RFO du monde entier. Permettez-moi de vous rappeler que dans Double Jeu, je vous propose des rencontres avec des femmes et des hommes qui, pour des raisons politiques, sentimentales, culturelles, etc., ont ajouté la langue et la culture française à leur langue et à leur culture originelle. Alors, au sommaire de ce troisième numéro de Double Jeu, l'humoriste algérien Kabyle Fellagh, à la fois en exil et en tournée en France. Et... Bonsoir tout le monde, salam alaikum, Azul Flaouen. Je recommence. Bonsoir tout le monde, Azul Flaouen, salam alaikum. Mon nom est Fellagh, plus dynamique, plus naturel. Bah, d'accord. Tout à fait par hasard, le nom Fellagh veut dire en arabe exploseur. On refait ? D'accord, exploseur, voilà. Et je vous assure que c'est une simple coïncidence. Voilà. Les Algériens adorent Fellagh, et ils ont bien raison. Les Algériens adorent sa liberté de ton, son humour corrosif, ses talents de clown, son courage aussi. Et puis voilà que Fellagh est en train de devenir une star en France, car où qu'il aille, son spectacle, Un bateau pour l'Australie, fait sale comble. L'autre soir, il était en représentation au centre de la France, chez Vercingétorix, à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand. Nous l'y avons suivi. Alors, sur la place de Jaude à Clermont-Ferrand s'élève magnifique la statue de Vercingétorix. Est-ce que ce nom de Vercingétorix vous évoque quelque chose personnellement? Ah oui, il m'est très familier. Oui, à l'école, quand on était petit, à l'école à Alger du temps de la France, avant les 62, on nous disait que nos ancêtres étaient les Gaulois. Donc, dans les mêmes manuels scolaires ou historiques, il y avait d'un côté les Gaulois contre les Romains, et de l'autre côté, il y avait les Berbères contre les Romains. Alors, moi, on faisait des dessins magnifiques de Vercingétorix, qui était très, très altier, et tout ça. Et à côté, il y avait les Berbères qui étaient pas dans les petites cases, etc. Alors... Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Dans le village où je suis né, à la fin des années 40, au fin fond de la campagne algérienne, il y avait deux ruelles, une mosquée, trois oliviers, une brouette, 10 fous, 3 chèvres, 5 milliards de mouches, 27 poules, un coq. C'était d'ailleurs le seul dans le village qui ne chômait pas. Et il y avait aussi une misère immense, plus grande que la montagne, qui nous dominait. Votre langue maternelle, c'est laquelle? C'est le kabyle. Le kabyle. Que vous parlez pendant combien d'années? Pendant... Je l'ai toujours parlé, mais je l'ai parlé jusqu'à l'âge de 9 ans. Oui. Et ensuite, à l'âge de 9 ans, j'ai quitté mon petit microcosme de la montagne kabyle pour aller à Alger. Et là, je découvre deux langues très fortes, qui est l'arabe dans la ville, dans la rue, et dans le quartier, et puis le français à l'école. Au début, vous ne comprenez ni l'arabe ni le français? Rien du tout. Ouais. C'est pour ça que je dis toujours, je suis rentré dans les langues de façon conflictuelle. De façon un peu comme une agression. J'ai subi une agression de deux langues, qui étaient le français et l'arabe. Quand je dis conflictuel, c'est que dans la rue, je me suis retrouvé tout d'un coup dans une ville à Alger où il y avait une langue de rue que je ne comprenais pas du tout. Et à l'école, pendant 15 jours, on a épelé mon nom, la maîtresse a épelé mon nom. Je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Tout le monde levait les doigts, sauf moi. mais alors, quelle est celle des deux qui vous paraît le plus difficile à apprendre? Ah, c'était le français, évidemment. Oui. Évidemment, pourquoi? Parce que la langue arabe dans la rue, dans le quartier, je l'ai apprise très très vite. Mm. Et puis à l'école, petit à petit, tranquillement, j'ai appris le français. Mais cet arabe de la rue, il est très différent de l'arabe littéraire? Ah, très différent, oui. Il vient de l'arabe littéraire, mais en fait, il vient aussi de la symbiose entre l'arabe littéraire, le berbère, et aussi un peu du phénicien, du grec, des restes de latin aussi, qui se sont implantés dans la mémoire algérienne. Et oui, cet arabe-là, il vient de ça. Oui. Mais alors, aujourd'hui, par exemple, dans l'enseignement, on apprend l'arabe littéraire. L'arabe classique. Pas l'arabe qu'on prononce dans la rue. Non.
Oui. Et il y a de grosses différences ou pas? Ah, il y a de grosses différences. L'arabe classique est considéré comme une langue savante. Il est considéré comme une langue de colloque, une langue universitaire. Juste un exemple comme ça tout bête, le professeur de philosophie ou de médecine qui, à l'université, fait son cours en arabe classique, dès qu'il sort dans la cour, dès que le cours s'arrête, il parle en arabe dialectal avec ses élèves. Et quand il rentre chez lui à la maison, il parle avec sa maman ou sa femme ou ses enfants en arabe algérien. Comme s'il avait deux langues. Comme s'il avait deux langues. Ouais. Et vous maniez aussi l'arabe littéraire? Je ne le manie pas très, très, très bien, mais je le comprends. J'ai même joué avec au théâtre. Finalement, ce brassage finalement de quatre langues, est-ce que ça ne crée pas une sorte de pidgin, de créole Si. Si, complètement. Moi, je défends la langue. J'ai toujours défendu, d'ailleurs à Alger même, j'ai défendu la langue, le créole algérien, comme étant la langue des gens de tous les jours. J'ai été d'ailleurs le premier à avoir pris une espèce de maquis linguistique de la langue pour échapper à une langue puriste que les hommes de théâtre essayaient d'imposer, ou même que le gouvernement essayait d'imposer aux hommes de théâtre qui essayaient de nous l'imposer à nous, aux metteurs en scène ou aux directeurs de théâtre. Et j'ai pris un peu le maquis de ça en allant vers le créole, et ça a été magnifique parce que les gens se sentaient tout de suite dedans. Vous commencez à écrire très tôt, je crois. Très tôt. Oui, 13-14 ans. Ah oui, 13-14 ans. Dans quelle langue? J'écrivais en français. Et pourquoi? Parce que l'école était française, elle était en français, donc j'ai 52 ans, donc j'avais 9 ans, il y avait la présence française encore en Algérie, et l'enseignement en français a duré jusqu'en 71 de façon presque absolue. Mais pour vous, donc, écrire à ce moment-là, c'est donc choisir le français, puisque c'est la langue qu'on m'enseigne à l'école? Oui. En fait, c'est le français qui m'a choisi. Oui. J'ai étudié en français. Oui. J'écrivais aussi en arabe, mais j'étais plus... C'est pour ça que je crois que je suis vraiment tridimensionnel au niveau culturel. Oui. C'est que je viens d'un village kabyle. Un triple jeu. Et j'adore ça, parce que c'est trois dimensions magnifiques qui me permettent, dans ma tête, d'aller vers trois univers culturels. En ramassant les humus qui sont en moi, je peux aller sur trois dimensions magnifiques. Ouais. Et à ce moment-là, vous êtes sous l'influence de quels écrivains français que vous lisez? Alors, j'ai passé une période très romantique dans mon adolescence. Je crois que j'ai lu tout ce qui s'est écrit sur le 18e, 19e siècle. Mais je lisais ça avec, de façon, vraiment, je plongeais là-dedans comme on plonge dans une piscine. Je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Au lycée, chaque année, il y avait un prix qui a été créé, qui s'appelait le prix de la bibliothèque. Et chaque année, c'était moi qui l'avais, parce que c'est l'élève qui a lu le plus de livres dans l'école, dans tout le lycée. Et donc, je partais en vacances avec 30 livres. Et c'était un bonheur absolu pour moi d'aller... parce qu'en plus, on n'était pas très riches, donc j'avais pas les moyens de m'acheter des livres en librairie. Mais alors donc, on trouvait tous les livres que l'on voulait en français? Oui. À toute époque Jusqu'en 74. Ah bon? Et qu'est-ce qui se passe là? En 74, blocus, comme vous le savez, l'indépendance, le pouvoir, le purisme, un stalinisme matiné d'islamisme au début. Et donc, les autorités de l'époque avaient fermé complètement le pays au monde, puisqu'on était considéré comme un petit satellite de l'Union soviétique. Et du coup, comme tous les pays, comme la Bulgarie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, on était fermé à la culture extérieure, les films étrangers ne venaient plus, les livres ne venaient plus. À partir de 1974-1975, on rentrait dans une librairie en Algérie, on trouvait 3000 exemplaires de Kim Il-sung. C'est vraiment... Il fallait les lire. Il fallait les lire. Alors donc, il y avait quoi, un marché noir du livre interdit? Oui, il y avait surtout un réseau clandestin de naturel, hein, pas on se cachait pas avec des livres, rasait pas les murs, mais les gens avaient des bibliothèques chez eux. Il y avait quelques bouquinistes qui étaient restés, quelques libraires amoureux qui gardaient encore des livres occasion, et on s'échangeait entre nous. Ouais, du troc. Du troc, du troc de livres. Ouais. Moi, je disais un jour, comme ça entre parenthèses, que aujourd'hui même, ça demeure comme ça, il y a un petit retour, il y a quelques livres qui arrivent, mais ça reste quand même très très fermé. Hein. Maintenant c'est devenu économique, à l'époque c'était idéologique. Et je crois que si on lançait des millions de livres sur l'Algérie, sur des pays comme le nôtre, c'est
c'est de l'humanitaire. Il ne faut pas envoyer du pain, il faut envoyer des bouquins. Alors vos premiers textes, bien entendu, vous ne les écrivez pas, vos textes de scène, oui. Vous ne les écrivez pas en français, vous les écrivez en quelle langue? En arabe, en berbère Alors c'est très étrange, parce qu'on revient au créole, c'est que j'écrivais mes textes de façon presque scientifique en français. Mais ils étaient pensés en arabe ou en kabyle. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire que j'avais une espèce de... comme un prompteur. Pour moi, c'était le texte était un prompteur écrit en français, mais il était pensé en kabyle ou en arabe en fonction de la langue que j'utilisais pour jouer. Parce que dans les régions berbérophones, je jouais en berbère, et dans les grandes villes ou dans les régions arabophones, je jouais en arabe. Ou à Alger, je jouais les trois, ce mélange des trois. Avec la liberté d'aller de l'une à l'autre sans restriction. Et donc, ce que je faisais, j'avais ça, ce texte-là, et je le lisais en français, donc il était là, derrière, et ensuite, il y a une traduction très naturelle qui va vers l'arabe ou le kabyle de façon très très naturelle. Déjà, quand vous êtes encore à Alger, un bateau pour l'Australie, là, il y a déjà une écriture en français, et vous le dites en français déjà à Alger. Ah oui, complètement. Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même... Vous avez fait d'autres textes avant, vous avez d'autres spectacles, mais est-ce que c'est pas celui-là qui vous apporte la notoriété, la grande notoriété? C'était deux spectacles avant, c'était Cocktail Kholotov, au tout début 89, qui m'a apporté une très grande notoriété. À ce moment-là, d'ailleurs, au niveau de la langue, et au niveau du propos, de la liberté de ton et du propos, les gens avaient dit l'indépendance, c'est après le spectacle, ce premier. C'était pas en 62, c'est aujourd'hui avec ce spectacle. Il y avait pas un chat dans toute l'Algérie, parce qu'il est passé à la télé au bout de deux mois. C'était la période où il y avait une période de trois ans, il y avait une espèce de vent de liberté comme ça, qui était une brèche dans l'opacité. Et dont vous avez su profiter. Voilà, dont j'ai su profiter avec beaucoup d'autres aussi. Oui. Il y a des dessinateurs magnifiques, des écrivains, des cinéastes aussi qui ont profité de ça. Et je fais partie des gens qui ont... Le couvre-feu, le soir où c'est passé à la télévision, les gens, ils prenaient des taxis, les bus, ils couraient, rentraient chez eux. Il n'y avait plus personne à 9h. De 9h jusqu'à 11h, les gens disaient, on entendait les murs des bâtiments rire. Ouais. Dans tout le pays. Ouais. Et je crois que c'est comme si j'avais rendu la langue aux gens, leur langue de tous les jours. Une langue qu'on a essayé de leur... À ce moment-là, vous devenez dangereux quand même. Oui, bien sûr. Ouais. On est tous. Ben oui. Dès qu'on touche à tous les purismes, dès qu'on touche à la langue officielle, dès qu'on touche au tabou politique, évidemment, on devient dangereux. À l'intérieur des camions bleus, il y a des hommes bleus. C'est des paquets de 12. Ils ont des casques, des costumes, des boucliers et de gros bâtons bleus. Le bâton est destiné à ce que, à chaque fois qu'il l'abaisse sur la tête de quelqu'un, la personne à qui appartient la tête produit un son. Ce son, en français, s'écrit A-I-T-R-E. C'est-à-dire que si c'est sur un français que le bâton tombe, il fait aïe. Oh, non mais vas-y, mollo, hein. Alors, là. Non mais, Non mais, Et les droits de l'homme, hein. Mais si c'est sur un arabe, si c'est sur un arabe que le bâton tombe, il fait aïe 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 aïe. Doucement, ça fait mal. Et en plus, j'étais même pas dans la manifestation. C'est tout ce que vous connaissez, hein. Tapez, 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 hein. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Hamlik, les droits de l'homme. Voilà. Alors, les Kabyles, à chaque fois qu'on leur met le bâton sur la tête, ils produisent le son « Waya vava !» Mais ça, c'est anticonstitutionnel. Ça, ça passe pas, c'est pas réglementaire. Alors, l'homme bleu, il fait « Mais qu'est-ce que c'est que ça, vava, là ?» Mais soyez civilisés. Comment ça? Moi, je te tape en arabe et toi, tu cries en Kabyle. Mais comment voulez-vous qu'on construise un pays ensemble? Comment voulez-vous qu'on bâtisse une nation si on n'est même pas synchro? Si tu cries en kabyle, comment veux-tu que je fasse mon boulot? Je sais même pas si tu as mal.
Quand je te tape en arabe, tu cries en arabe littéraire, en arabe classique. C'est-à-dire, dès que je te tape, tu vocalises ta douleur. Tu fais « Ayoun ». Allez, respire et on recommence l'exercice. Hein? Oui, oui, je sais, mon frère, c'est très difficile d'être algérien. Il faut travailler beaucoup. Akhdem, hein? Akhdem. Alors, est-ce que vous êtes incité, poussé ou forcé à l'exil? Les trois. Les trois. D'abord, poussé, je crois qu'à un moment donné, le peuple entier a été condamné. Hein. Donc, tout le monde voulait partir. Incité, ça faisait 2 ans qu'on me disait « Arrête, tire-toi, tu vas avoir des gros problèmes. » Mais en même temps, moi, j'étais poussé par quelque chose. Ça veut dire quoi, tu vas avoir de gros problèmes? Tu risques d'avoir des problèmes, c'est-à-dire tu risques d'être abattu. C'est ça, oui. Beaucoup d'intellectuels avaient été tués, mes amis, de très grands amis, des gens avec qui j'ai travaillé, des gens avec qui j'ai écrit, avec qui j'ai inventé des choses, avec qui on était charnellement dans le discours politique et social de l'époque, ont été abattus de façon terrifiante. Des amis comédiens, poètes, des poètes fabuleux, assassinés dans leur lit, tués dans la rue. Azdine Medjoubi, qui était un magnifique comédien, un être absolument extraordinaire, qui était metteur en scène aussi. Et elle a été nommée directeur du théâtre d'Alger. 5 semaines après, il a été abattu comme un chien. Et des milliers d'autres personnes, des hommes, des femmes. Juste le fait d'être des hommes et des femmes, juste le fait d'être là, d'être beau, de parler une langue différente. Donc vous avez eu beaucoup de chance, finalement. Oui, beaucoup de chance avec beaucoup, parce qu'on est parti. Oui. Et... Non, mais vous auriez pu oui. frapper avant de pouvoir partir. Bien sûr, bien sûr. Oui. Je crois que le fait d'utiliser l'humour, cet humour comme ça, rabelaisien, parfois même, comme ça, très très... Mais ravageur. Ravageur. Cet humour-là qui était nécessaire, à ce moment-là, parce que j'arrive au sommet de 30 ans d'opacité, de silence, dans une société très puritaine aussi, où le silence, où il y a une difficulté de communication, où dans un système politique où il est absolument interdit de dire quoi que ce soit. Je produis chez les autres une espèce de... Et du coup, ça fait le bonheur de tout le monde. C'est une respiration, une soupape magnifique. Et du coup... On devient utile. Mais alors, Felag, cet exil douloureux, abominable, l'horreur, mais finalement, est-ce que ça n'est pas, au bout du compte, une chance pour vous, puisque d'un seul coup, vous jouissez aujourd'hui, pas seulement en Algérie, mais en France, d'une notoriété considérable. Et vous avez une expérience que vous n'auriez pas vécue autrement s'il n'y avait pas eu cet exil. Ah, mais complètement. Mais quand j'étais à Alger, très souvent, les gens dans la rue me disaient « S'il te plaît, va-t'en, va en France, on préfère te voir sur Antenne 2, sur TF1, sur, et qu'on sache, mais que tu continues à travailler, parce que ce travail va nous revenir. Et puis un jour, tu reviendras. » Et aujourd'hui, c'est une chance pour moi d'être là. C'est une chance magnifique, d'autant plus que j'ai réussi dans ce double jeu, justement, à créer une symbiose absolument inattendue entre le public français et le public algérien. Oui. C'est que tous les soirs, il y a 1000 personnes, il y a vraiment 500 Algériens, 500 Français, oui. qui, de façon... au départ, c'était un hasard, et qui aujourd'hui est devenu une nécessité... Communie complètement. Oui. Vos premiers spectacles en France ne sont pas en français? Ah non, non, ils étaient en algérien. Oui. Et dans cet algérien qui est, comme je disais, je reviens encore une fois, si je devais... dérouler la langue, cette langue-là, ce créole algérien, cet algérien, je l'appelle moi l'algérien. Si je devais dérouler ça, en séparant le français, l'arabe et le kabyle, il y a vraiment un tiers et un tiers. Seulement ils sont mélangés, ils s'interpénètrent, et du coup ça fait une langue différente, langue libre. Alors, au bout d'un moment, vous choisissez le français. Oui. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'au début... Maintenant, vous ne faites... c'est toujours en français. Avec, évidemment, des mots algériens à l'intérieur, oui, dans votre spectacle. C'est en français. Bien sûr, mais ils sont en français. Ils sont en français parce que ça réunit. Ouais. Je suis parti de l'idée que le français réunit les gens. Il réunit les Français, les Algériens nés en France qui ne parlent plus vraiment la langue de là-bas. Ceux qui sont partis à 30 ans, qui ont perdu aussi l'évolution de cette langue-là, qui est une langue de la rue, riche, donc qui bouge, qui s'invente d'autres concepts, etc., un autre rythme. Et aussi pour faire asseoir tous les gens ensemble. Au début, des fois, je jouais en kabyle.
J'avais que les Kabyles qui venaient. Après, je jouais en arabe, il n'y avait que les arabes. Et les Français disent, ah, c'est dommage qu'ils ne jouent pas en français. Les beurs, les gens, entre guillemets, qui sont nés ici, disent, ah, c'est dommage, c'est bien, on sent bien, on comprend pas trop bien, mais on sent quelque chose. C'est beau, mais on comprend pas très bien. Et un jour, je me suis dit, non. Ben, le français. On est en France. Il faut parler à tout le monde, parce que c'est la langue qui unit tout le monde. Et j'ai essayé, je suis venu au français, en essayant de garder cette sève, cette couleur de la langue algérienne, pour être plus crédible, et aussi pour donner aux gens de France ce rythme, cette liberté que la langue algérienne possède. Alors, est-ce que vous n'avez pas parfois le regret de vous dire, mais je pourrais avoir au même moment, hier soir ou ce soir, le même succès à Blida ou à Tizi Ouzou ? Bien sûr. Bien sûr, c'est une douleur atroce. Le public algérien me manque cruellement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une... ils ont besoin de moi. J'ai besoin d'eux aussi. Je disais souvent qu'à Alger, quand j'ouvrais ma fenêtre, j'écrivais un sketch. Parce que nous sommes des Méditerranéens, nous avons un peuple absolument magnifique, un peuple chaleureux que la violence politique a complètement transformé, cassé. Mais il y a un peuple d'une immense générosité, d'une hospitalité absolument rare, d'une gentillesse immense. Parce que contrairement à ce qu'on croit, la barbarie n'est pas née en Algérie. Il y a deux jours, je voyais à la télé un documentaire à l'époque de la France, et il y avait un militaire français qui disait qu'ils égorgeaient des gens, et l'animateur disait, mais pourquoi vous les égorgez? Vous avez des armes? Il dit, non, parce qu'il ne fallait pas que les autres entendent, parce qu'il fallait le silence. Donc la barbarie est quelque chose que l'humanité partage. Ce que je veux dire, il y a une méditerranéité algérienne qui n'est pas connue ailleurs, que moi, j'aimerais transmettre. Je suis frappé de voir votre volonté de rassembler. J'ai beaucoup d'amour. Oui. J'ai beaucoup d'amour pour l'humanité, pour les gens, pour la vie. Et puis beaucoup d'humour aussi. Et alors on va le voir avec... parce que, évidemment, vous, dans votre spectacle, vous jouez avec les mots, avec les métaphores et avec les accents. Tiens, justement, je me suis toujours demandé pourquoi, dans le monde entier, on dit chocolat et chez nous, on dit chicoula. Hein? Vous avez remarqué, hein? Ça vous a travaillé, vous aussi, hein? Eh bien, ce n'est que maintenant que j'ai compris. Nous, on prononce chicoula parce qu'on a juste un peu. Chicoula, tu vois. Les Français, ils mangent du chocolat. Et nous, c'est du chicoula. Quand il le met dans la bouche, il ne se souvient plus où il l'a posé. De quel côté je dois mâcher? Qu'est-ce qui sique? C'est du chicoula, donne-moi un peu, il n'y en a plus. On a l'impression que ce n'est pas le même sens, selon l'accent. C'est ça le pouvoir de l'humour, le pouvoir du rire, le pouvoir de la... De la caricature. C'est un pouvoir de suggestion absolument extraordinaire. Ouais. C'est qu'en changeant complètement le sens par la voix ou par une attitude corporelle, c'est d'inventer, de propulser, de suggérer un discours sans même qu'il soit dit. Évidemment, tout le long du spectacle, vous faites rire, et Dieu sait que les gens rient beaucoup, en dénonçant le fanatisme, la barbarie, l'humiliation, la misère, la condition des femmes, les familles nombreuses, etc. etc. Alors, je me disais, comment résumer Félag en deux mots? Et alors, je ne sais pas si vous serez d'accord ou pas, finalement, je me suis arrêté à cette expression, vous êtes un clown tragique. Complètement. Vous êtes d'accord? Ah oui, oui. Clown tragique, parce que les choses que vous racontez, c'est effroyable, quoi. Et en même temps, vous êtes un clown. Alors, vous êtes un clown. Alors, parlons d'abord du clown. Vous avez les bretelles, vous avez le petit chapeau, vous avez un pantalon bouffant. Pourquoi avez-vous choisi de vous habiller de cette manière? D'abord, je crois qu'aujourd'hui, grâce au cinéma, à la télévision, depuis le début du siècle, le clown... à travers Charlie Chaplin, à travers Charles Harry Langdon, en fait tous les grands comiques, Laurel et Hardy, etc.,
le cinéma a imposé au monde une espèce d'impérialisme du clown universel. Un bel impérialisme d'ailleurs, parce qu'il est porteur d'humanité, il est porteur d'une émotion, puisque le clown n'existe pas en soi physiquement. Il s'invente un physique pour transporter une émotion, des attitudes sociales. Et donc moi je me sens complètement de ce pays-là. Oui. Je me sens, j'ai ma carte d'identité, mon passeport avec la photo pays clown. Clown. Voilà, clown. Clown du pays de la clownerie. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'à la fois vous évoquez Charlot, c'est évident, Pierrot, Pantalone. Pantalone. Et en même temps, avec un peu de Funès, c'est incroyable. Tout. Oui, parce que c'est ce pays-là, c'est le même pays en fait qui nous réunit tous. Et c'est ce peuple formidable de clowns qui génère tout le temps, de l'amour, de la tendresse, de la ruse, de la malice pour communiquer avec les autres. Contrairement, je veux dire, un clown n'a jamais inventé de fascisme. On n'a jamais connu de clown fasciste. Au contraire, c'est toujours des gens qui arrivent, qui essaient d'apporter une humanité énorme pour contrecarrer, contrebalancer l'horreur. L'Allemagne a inventé le plus grand clown universel allemand, c'était au moment de la montée du fascisme. C'est Karl Valentin. Bertolt Brecht, qui était un auteur de cabaret, de théâtre au départ, qui est après devenu un immense auteur révolutionnaire, a d'abord commencé dans les cabarets et c'était en même temps que la montée du fascisme allemand. Et à la fin, en 1945, dès que l'Allemagne a été complètement défaite, il n'y a plus eu de grands clowns allemands. Mais il n'a pas empêché la montée du nazisme, et vous n'empêchez toujours pas, bien sûr. Vous ne ramenez pas la liberté dans votre pays. Oui, mais on accompagne. On accompagne la douleur, on essaye de rendre agréable les choses, de soulager. C'est de l'aspirine, c'est pas du. Je crois que Charlie Chaplin n'a pas changé le monde avec son dictateur, il n'a pas ridiculisé, mais il faut continuer. Le rêve du dictateur de l'époque, c'était d'avoir un agent de la sécurité par habitant. C'est-à-dire que la moitié de la population va surveiller l'autre moitié et vice-versa. Tu as fini de me surveiller, c'est à mon tour. C'est-à-dire que son rêve, son fantasme, son obsession au dictateur, c'était que chacun de nous ait derrière son dos un agent de la sécurité qui le suive partout où il va. S'il va au travail, il va avec lui. Il rentre dans un café, il rentre avec lui. S'il va chez lui, il l'accompagne chez lui. Il dîne avec lui et il dort avec lui pour surveiller le contenu de ses rêves. Pour survivre dans une dictature, il y a certaines règles à respecter. En voici quelques-unes. Au hasard, premièrement, il ne faut jamais parler politique dans un taxi. Deuxièmement, il ne faut jamais évoquer les noms des opposants au pouvoir en fuite à l'étranger. Mais surtout, troisièmement, il ne faut jamais exprimer ses idées politiques à haute, à mi ou à basse voix, même si vous êtes seul au milieu du désert. Bien sûr. Ferme-toi. Tu es au milieu du désert, tu crois que tu es tout seul, mais on n'est jamais seul. Tu vois le lézard, là. C'est pas un lézard, c'est un agent de la sécurité. Il est déguisé en arbre, je le connais. Dans votre critique loufoque de la tragédie, est-ce que vous êtes toujours compris par les Algériens? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vous reprochent finalement d'aller trop loin Ah ben certainement, comme beaucoup de gens ont reproché au début à Coluche d'être allé trop loin dans la critique de la société française ou des institutions françaises. Vous avez publié dans quelques jours un livre qui est fait de 5 textes intitulé « C'est à Alger » et dans lequel on va découvrir un Fellag un peu différent de celui que l'on connaît, c'est-à-dire le Fellag moins drôle que celui qu'on voit sur scène et peut-être encore plus tragique parce que là vous dénoncez carrément et sous une forme littéraire l'oppression, le fanatisme, encore la misère, etc. etc. J'essaye d'aller dans l'écriture là où il y a la limite du théâtre. Là où je crains que, à cause justement de ce vêtement de clown, il y ait une incompréhension, je vais plus loin pour parler des choses beaucoup plus graves d'une autre façon. Peut-être que quelque part, la peur d'être mal compris, et d'autre part aussi de dire j'arrête, je vais être sérieux parce que je vais dire des choses très 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 graves, autant que les autres. Mais ça permet de toucher aussi un autre public et d'aller vers des choses qui ne sont pas aussi, qu'on ne peut pas dire sur scène. Dans l'un des textes, on entend le
monologue d'une femme au téléphone. On comprend qu'elle parle à l'homme qu'elle aime et qu'elle aime vraiment beaucoup. Et pourtant, au terme de ce monologue, elle lui dit « je t'aime et je te hais ». Pourquoi ? Ben parce que c'est toute la problématique, le processus du changement, du vouloir changer des Algériens, des hommes et des femmes d'aujourd'hui qui sont entre la tradition et la modernité, qui ont des désirs très très forts d'aller vers une modernité. La femme qui a beaucoup plus d'avance que l'homme à ce niveau-là dit ça parce qu'en fait elle aime lui, parce que c'est lui, oui, parce que c'est l'homme, parce que aussi il se bat. Et il fait des efforts pour dépasser la condition de macho, qui a un regard très rétrograde sur la condition des femmes. Elle l'admire, mais en même temps, elle n'aime pas le système de pensée que les hommes ont sur les femmes. Oui, qu'ils représentent, là. Qu'ils représentent. Oui. Et moi, je me suis toujours battu contre ça. Quand j'étais petit, il y a quelque chose, j'écrirai un jour un livre là-dessus. Comme dans toutes les sociétés en général, traditionnelles, certaines ont dépassé, d'autres pas encore, il y a traiter un homme de faible, c'est toujours le comparer à une femme. L'horreur, c'est de comparer un homme à une femme. Et moi, quand j'étais petit, quand j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, j'avais peur de... Je rêvais la nuit que j'étais devenu une femme, et donc c'était le plus grand cauchemar de ma vie. Et quand j'ai c'est le poids d'une société. C'est le poids d'une société. Ah, oui. Et quand j'ai grandi, petit à petit, quand j'ai vu mes soeurs, quand j'ai vu ma mère, quand j'ai aimé les femmes pour ce qu'elles sont et que j'ai compris leurs conditions, ce rêve est devenu pour moi une culpabilité. J'ai culpabilisé sur l'époque où j'avais, jusqu'à 12 ans, 13 ans, cette peur de me réveiller en femme un matin. À un moment, elle dit ceci, toujours au téléphone, à l'homme qu'elle aime, et là, je cite, « Est-ce qu'un jour, vous, c'est-à-dire vous les hommes, vous vous êtes seulement posé la question de l'incroyable blessure narcissique infligée à toutes les petites filles qui voient les yeux de la famille rivés sur votre quéquette pendant des mois, comme si elle était le siège central de l'univers jusqu'à l'apothéose de la circoncision ?» Et un peu plus loin, « Quand on vous le coupe, c'est nous qui avons mal, c'est nous qui portons la blessure. Il vit en nous comme l'icône de votre différence, de votre pouvoir inné. » Ça dit tout. Mais c'est un texte terrible. A choqué vraiment beaucoup de gens dans votre pays. Ça vient d'une très vieille tradition, je veux dire, cette tradition de l'homité. D'ailleurs, elle utilise à un moment donné le terme homité, dans cette tentative depuis toujours de l'homme d'écraser la femme dans toutes les sociétés. Donc, les sociétés qui sont dans le sous-développement économique et culturel gardent les traces de cela. Et je crois que je parle au nom de l'humanité homme qui essaierait de comprendre les femmes plus que d'un homme qui essaye de vilipender la société musulmane. Je sais que je vais faire mal, mais c'est normal aussi d'essayer d'aller loin. Et beaucoup, beaucoup de femmes chez nous en Algérie, dans beaucoup de pays musulmans, en Algérie que je connais bien, des milliers de femmes se battent tous les jours et elles ont des discours aussi fort que celui-là. Et alors, la lumière d'Alger est très célèbre. Et à un moment, cette femme, qui est malheureuse, bien entendu, lui dit à un moment, nous ne méritons pas cette lumière. Une société qui condamne la moitié de sa... de son être, la moitié de son corps, est une société complètement hémiplégique. Une société paralysée de moitié. On ne peut pas parler de démocratie, de liberté, on ne peut pas parler d'évolution tant qu'on écrase la moitié de soi. Vu ce qui se passe depuis malheureusement tellement d'années en Algérie, à Alger, vous diriez, nous ne méritons pas cette lumière. Oui, nous ne méritons pas cette lumière parce que le soleil d'Algérie est un soleil magnifique de lumière et malheureusement, ça éclaire, comme elle dit aussi, le matin quand le soleil se lève, il montre les drames de la nuit, c'est-à-dire les horreurs qui se passe pendant la nuit, et donc nous ne méritons pas que cette lumière soit là. Votre livre, là, sera-t-il en vente libre en Algérie ? Oui, vous savez qu'aujourd'hui, il y a tous les livres qui s'écrivent sur l'Algérie, même la mafia des généraux qui vient de sortir, là, qui est un livre qui dénonce de façon très très grave, très forte, le système. Et, la presse algérienne fait des pages là-dessus. Le livre ne va peut-être pas se vendre, mais il y a des livres très durs, très forts, qui partent là-bas. Donc il y a une certaine liberté. Il y a une espèce de liberté, mais vous avez dans...
une des nouvelles du livre, je raconte comment, à un moment donné, de façon allégorique, comment, pour régler le problème de l'expression, de la liberté d'expression, et éviter que la pensée ne puisse être destructrice par rapport à l'État, et l'État a créé un endroit, une zone franche de liberté d'expression à 15 km dans la mer, un îlot en béton, où celui qui a envie de dire quelque chose, il va là-bas. Mais vous irez vous-même à Alger pour dédicacer votre livre, répondre aux questions ou pas ? C'est peut-être. Oui, je vais y aller, oui. Mais vous pourriez demain aller jouer, retourner jouer à Alger ? Je crois qu'aujourd'hui, on peut aller jouer une fois ou deux. Mais pour moi, il faut que je reste 5-6 mois. Il faut que j'aille partout, il faut que je reste... Et ça, c'est pas envisageable. Et ça, c'est pas envisageable pour le moment. Pourquoi ? Parce que la situation politique n'est pas encore très saine, parce que la situation sécuritaire n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on croit, assainie. Il n'y a que les grandes villes qui ont été sécurisées, mais pas tout le reste. Donc il n'est pas facile pour une compagnie de théâtre aujourd'hui de faire des tournées dans un bus, aller dans toutes les villes d'Algérie ou dans tous les villages. La situation n'est pas encore assainie. Dernière question, imaginons je suis un djinn bienfaisant, je vais exaucer votre souhait, le vœu que vous allez exprimer tout de suite. Alors quel serait ce vœu ? J'aimerais que les Algériens, enfin, ne soient plus des zombies ou une espèce de truc compact, un bloc compact de gens qu'on ne connaît pas, dont on a peur, mais qu'ils deviennent des gens humains, qui ont une philosophie, une folie, qui ont, qui ont leurs défauts. Qui ont, voilà. Le vœu, c'est la paix. Et... la paix en Algérie, une vraie paix, mais pas une paix comme ça, une vraie paix basée sur un projet de société moderne et ouvert sur le monde d'aujourd'hui.